90. Moins 100. Dans le cadre du schéma directeur et en liaison avec la 18e commission, les services techniques ont eu à étudier le tracé de la voie express Est-Ouest A02, destiné à doubler l'axe principal A01 entre la rocade 309 et l'échangeur primaire 432 bis, pour prise en charge partielle du trafic en provenance des cités satellites de la zone périphérique. La pénétration du tracé dans l'îlot 12B, dit parc et château de Versailles, pose peu de difficultés. Le premier tronçon s'appuie sur l'axe principal du bassin, dit le Grand Canal. Nous rencontrons ici le premier obstacle, le château. Nous sommes donc arrêtés au tracé direct, avec percement du château dans sa partie centrale, et démolition de la zone médiane. Les deux ailes sont provisoirement conservées et pourront être ultérieurement aménagées pour donner sur trois niveaux 1500 places de parking supplémentaires. Anticipation absurde, fiction démesurée. Non. C'est déjà la vérité des temps que nous vivons. L'homme a-t-il le droit de détruire les richesses du passé, le monde qui l'entoure, ce qui furent dans la nature l'inspiration de son art, le creuset de ses méditations, l'oxygène de sa persistance? Ce droit, il le prend. À l'origine, il y avait la forêt. Dans la moiteur de son feuillage se crée l'air que respirent les premiers hommes. L'homme vit de cueillette et de chasse. Il apprend à travailler. Sa main, symbole de l'être humain tout entier, saisit, étreint, dessine et sculpte, caresse ou frappe. Thank you.
L'homme devient agriculteur et pasteur. Il défriche, cultive, domestique les animaux. Les vaches broutent, les moutons arrachent. Les chèvres préparent le désert. Révolution industrielle, explosion démographique. La soif de nouvelles ressources, la conquête d'espaces nouveaux s'appuie désormais sur la puissance des machines. Dont la force de mécanique sans cesse plus efficace, la raison de son orgueil, la jouissance de sa gloire et la satisfaction de sa cupidité.
La nature recule devant la fourmilière humaine. Les mécanismes naturels ne suffisent plus à digérer les résidus de la civilisation technique. Les déchets s'accumulent, distillent leur poison, stérilisent les terres, les airs, les mers et les fleuves.
cet immense et génial bouleversement d'activité frénétique aboutit à quoi? À 6 milliards d'individus en l'an 2000. L'homme ne résiste et ne résistera ni aux psychoses, ni à la faim, ni à l'asphyxie, ni au bruit inextinguible, ni au silence de la mort des espèces à tout jamais éteintes, pas plus qu'il ne résisterait au froid intense ou à la chaleur brûlante. Dans sa physiologie, dans son esprit, dans son intelligence, partie intégrante du monde d'où il est issu. Il lui faut découvrir le compromis dans l'amour de la vie, mais de toute la vie. Car il n'y aura plus de place pour le grouillement des hommes quand la nature ne chantera plus.